savez-vous quoi? Je suis rendue une vedette. Oui, la municipalité, ils ont voulu que je vous parle. Mais non, c'est pas vraiment ça. C'est parce que là, je suis plus capable du confinement. J'étais en train de manger les murs chez nous, puis là, j'ai voulu aller me chercher un permis de construction, puis ils m'ont dit « Wow, le Norvé! » À la place, là, de manger tes murs, on va te donner du temps pour leur parler. Donc, je suis là. Vous savez, le confinement, pas facile, hein? Tu sais, moi, là, qui est déjà crinqué, qui arrive à l'école à 8 h le matin crinqué, là, je me lève, je suis rendu que quand je me fais un café, je compte les grains dans la canne pour voir quand est-ce qu'ils vont m'en manquer. Ça n'a pas de sens. Puis là, en plus, je suis poignée dans la maison pour gérer deux ados qui lui manquent un bout de pouce tellement qu'ils sont en train de texter, puis qu'en plus, ils ont des plaies de lit partout parce qu'ils sont tout le temps couchés. Mais c'est ça, on n'a pas le choix, hein? Faut les respecter, les règles. 2 mètres de distance, on reste à la maison, puis je le sais que c'est difficile. Mais vous autres, vous êtes chanceux. Vous avez les réseaux sociaux pour vous parler, pour vous voir. Puis en plus, là, vous pouvez faire des TikTok. Hey, vous pourriez faire full de TikTok, là. Niaisez vos parents puis mes envoyer. Moi, je vais les partager sur Facebook. Après ça, ça va être pas pire. Mais c'est ça. Plus sérieusement, là, la gang, restez à la maison. Parce que là, vous vous dites, OK, en ville, là, il y en a plus. Nous autres, ça peut pas nous arriver ici. Vous avez raison. Ici, ça va bien. Mais pourquoi ça va bien? Parce que justement, on est une petite place, on est isolé, puis on fait attention. Fait que notre bassiné, là, on veut le garder en santé. Fait que, OK, on fait attention. Puis en plus, là, vous êtes sur le bord de sortir vos scooters. Mais quand vous allez sortir vos scooters, c'est correct d'aller prendre une ride de scooter. Mais quand tu vas débarquer de ton scooter, si vous êtes 20 alentours à dire « Ah, tu t'as acheté un nouveau muffler, c'est bien hot! » Ça marche pas. Allez-vous-en tout chacun chez vous après ça. Puis vous savez, justement, nous autres ici, ça va bien. On est une famille, on aime ça, on est le boss Saguenay, on est, tu sais, on s'entretient, on s'occupe. Occupez-vous de vos parents. Tu sais, il y en a plusieurs en plus que leurs parents ne travaillent pas, hein. C'est sûr que c'est plus plate un peu, mais trouvez-vous des activités. Sortez vos jeux de société, allez marcher avec vos parents, c'est encore le temps de faire du skidoo. Occupez-vous en masse, ça va bien aller. Fait que c'était ça que je voulais vous dire. Fait que moi, je vous laisse. Parce que je m'en vais à Chicoutimi. Il y a un grand rassemblement là, pour les fourmis en Amazonie. Sauvons les fourmis! Non, c'est vrai, je peux pas. À la place, là, ben restez-vous à la maison. Parce que nous autres, on s'ennuie de vous autres. Bye bye!